Voilà. Excel Media Congo TV. Ouais, Balobi, Excel Media Congo TV à Gaïta Vandal. Ouais, c'est bien pour Mbanias quoi. Vous avez un Excel Media Congo TV quoi. Donc, chaîne amenée à YouTube, à qui t'a copié le link. Vous abonnez abondamment quoi. Thank you.
dans ton royaume éternel. Nous te bénissons et te glorifions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Merci. Excellence, aujourd'hui Maman Olangui est débrouillé, on peut savoir, le monde entier vient de perdre Maman Olangui. Quelle lecture faisiez-vous de cette haute personnalité? La lecture est là. La lecture, c'est le message que je viens d'écrire. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné sa servante Maman Olangui. Je confirme qu'elle a rempli sa mission. Et j'implore la grâce de l'Éternel afin qu'elle puisse occuper une place de choix. Les enfants doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes là et nous allons continuer à les accompagner, à les appuyer comme nous l'avons toujours fait. Nous ne sommes pas seuls. Mais nous souhaitons bonne chance et surtout beaucoup de réussite parce que cette œuvre, on doit la pérenniser. On doit la pérenniser pour récupérer, comme je l'avais dit la fois passée, les âmes perdues. Excellence, merci beaucoup. Merci à vous. Thank you.
voudrais l'avoir, vous voulez l'avoir. Vous voulez l'avoir. Des enfants orphelins ont gagné leur vie grâce à cette maman, à ce couple, papa et maman. Des enfants orphelins ont terminé des études. Des enfants orphelins ont pu avoir une vie normale parce qu'il y a des parents qui leur ont tendu la main après qu'ils aient perdu le leur. Nous prêchons tout le temps. Quand elle avait tout ce temps pour suivre tous ces femmes, ces enfants, ces papas qui venaient ici, et elle trouvait toujours du temps pour ses enfants. Bon, on était à Souka, la nuit que l'on était, maman Olangi, Azara qui sort maman. Azara qui sort. Épouse, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les preuves sont là. Elle était une épouse modèle, une épouse qu'on devait suivre, une femme qui a aimé son mari jusqu'au bout. Balingami, bon moi sur Alibala. Tolobani, maman Langazara qui pensa, Ndakisa, Yamwa sur Alibala, Lori Gazara qui est mon bali naïf. Temps de ma vie pour lequel maman n'est pas intervenue. Ezali na ekelayo kote la litomba na bomo nangai o mama atika ko pesa a kote ma kote. Que ce soit un acte familial, ezalata eteli mota, un acte administratif, ezalata na lega mosala, un acte politique, ezalabongo to na mabima politique. J'avais toujours droit à un conseil de maman. Donc esengela kina zwa kaka toli a maman toujours. Mais comment lui dire? Sans lui demander le conseil. Elle me dit, papa, tu as la monnaie au changé. Papa, tu as changé. Tu as commencé à me cacher. Et quand c'est comme ça, si j'ai échoué, si j'ai échoué, elle me dit, Omoni, elle dira, tu vois. Tu as voulu faire sans le conseil de ta maman, tu as échoué. Je lui dis, mais maman, il y a quand même des petites choses que je peux gérer seul. Elle dit, maman, elle dit, je sais, mais ce n'est pas grave, tu peux me partager, je vais intercéder, je vais prier, je vais mettre une chambre haute pour toi. J'ai une soeur qui est ici. Après son mariage, pas d'enfant, Bakangi Mabota. Si Manalibala na bango bokumba abotate. Elle a quitté son travail. Atika ki mosala moyen. Son mari a laissé ses affaires. Mobali na atiki pe. Quand elle a dit sa maman. Tamoye pe sa mona maman. Maman a dit, je n'ai jamais vu une Congolaise de Brazza faire ça. Quitter son travail pour chercher à entrer en profondeur. Tamoye si maman le vient na mona te ba Congolais à Brazzaville ba sali kamalolenge boy ba tika mosala na bango wa ba kokosa la bosindo. Elle a décidé que ma sœur et son mari dorment dans leur ancienne chambre à la rue Le Fumbula.
Ils dormaient dans la chambre, dans le lit où dormaient papa et maman à la rue Lufungula, leur ancien domicile. Je ne sais pas combien ont eu ce privilège. Mais ma soeur a eu ce privilège. Évidemment, ça n'a pas tardé. Aujourd'hui, elle a trois magnifiques filles. Alléluia. Amen. Mais elle a été une bénédiction pour notre pays. Vous savez que maman a reçu la révélation ici en RDC à Kinshasa. Mais le Seigneur lui a dit d'aller commencer à Brazzaville. De l'héritage qu'elle nous a laissé. Il y a tellement de choses. C'est difficile de s'attacher à toutes ces choses. Ma prière est que les combattants et les combattantes puissent s'attacher aux plus importantes de ces choses. Beaucoup l'ont dit avant moi ici au podium. Maman était une épouse modèle. Je n'ai jamais vu maman laisser quelqu'un d'autre servir son mari. Même pas de l'amour tel que nous le pratiquons tous les jours. Non, non, non. Pour le mot de la famille.
Shalom, shalom, shalom en Jésus-Christ. Il n'est pas évident ce jour de me tenir devant vous après avoir rendu un dernier hommage mérité à notre cher papa il y a à peine 3 semaines. L'émotion est très grande à cet instant. Pour le dernier hommage en l'honneur de notre chère maman, que Dieu seul me fortifie et soit au contrôle en ce moment. Le 29 septembre 2017, il a plu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de rappeler dans sa gloire son serviteur en la personne de Papa Joseph Ézéchiel Olangi Onasambi, patriarche. Alors que l'espoir renaissait quand même, en dépit de la consternation, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, à Kinshasa et dans le monde, voilà que dans la nuit du lundi 4 juin dernier, dans sa souveraineté irréprochable, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique chemin qui conduit au Père, est venu enlever sa servante, qui va désormais rejoindre notre cher papa dans la gloire de Dieu le Père. L'ont-ils encore été en quittant cette terre pour la vie éternelle? Sur ce, parce qu'ils ont été un et indivisibles, vous permettrez que, de temps à autre, lors de mon adresse, je parle du couple Olangi, nos parents, même si ce jour, nous leur rendons un hommage spécial à maman. En définitive, en dépit du désarroi total qui a touché toute la famille Olangi, toute la famille chrétienne du combat spirituel et toute la communauté chrétienne a quitté avec autant de consécration, ils ont eu à former des disciples et des messagères de Jésus-Christ par centaines de milliers au prix d'un disciple sacrifice. Cependant, on se souviendra qu'avant son appel au ministère, maman Olangi menait une vie bien remplie et bien connue. Comme son cher époux, maman Elisabeth Wosho Onyumbe était une intellectuelle, éprouvée, détentrice d'un diplôme universitaire en sciences sociales de l'Université catholique de Louvain en Belgique, et d'un diplôme en sociologie industrielle au CIDEP Lubumbashi.
Elle détenait également un diplôme de l'école de haute couture Grenier de Paris en France. Elle a été éducatrice et assistante sociale à Clairvallon, à Nouvelle-Aneuve en Belgique. Elle fut couturière patronne à Lubumbashi et à Kinshasa. Cette épouse, mère de 7 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants, a été une grande femme entrepreneure dans divers secteurs d'affaires. Après avoir cherché Dieu de tout son cœur, suite à quelques déboires d'ordre familial, comme elle a toujours témoigné, elle va rencontrer Jésus-Christ, qu'elle acceptera comme Seigneur et Sauveur personnel, et qu'elle servira sans réserve jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, zélée comme on la connaissait, elle a évolué assez rapidement dans le champ du Seigneur. Elle chercha la face de Dieu dans plusieurs communautés chrétiennes, notamment l'église Nzambe Balamou, l'église de Mamantumba à Bandal. Applaudissez s'il vous plaît. Messagère de Jésus-Christ, Mbambana Yesu. Missionnaire national et international. Évangéliste international. Ministre de Dieu. Ambassadeur de la paix. Révérend docteur de la parole, maire des pasteurs de l'association des églises. Au-delà de toutes ces multiples facettes, d'une personnalité aussi complexe que complète, maman des incultes et des illettrés, mais aussi maman des professeurs d'université. Maman des pauvres et des démunis, mais également maman des millionnaires. Maman des enfants dits sorciers et des enfants de la rue, mais également maman des enfants de familles aisées. C'est ainsi que, durant sa mission sur Terre, notre chère mère était pour plusieurs conseillère, éducatrice, corrigeant et redressant, à juste titre et sans distinguo, avec fermeté et amour. Usant à bon escient le fameux marteau qui nous réveillait tous et qui nous corrigeait tous. Elle prenait en charge des personnes désœuvrées, des personnes qu'elle ne connaissait même pas véritablement, pour en faire des personnes de valeur. Notamment des médecins, des avocats, des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, des hommes et des femmes d'affaires. Madame, où est votre département ? Le ministre Emery Okundji va s'avancer. Et du Congo Brazzaville, nous avons Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la République du Congo, que nous avons. Merci Papa Bruno, merci Maman, Maman et toi, merci. Et à la suite de Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur,
et son épouse. Nous allons citer la famille du président Sassou Nguesso, ici représentée par son fils, Sir Nguesso, suivi du général Denis Kaloumé, et la demi-mongo, la générale Denis Kaloumé, membre de la présidence de la République. Merci mon général. Nous allons en Angola. Marcel Sichambo, Chissambo, qui est suivi par le commandant de la première zone d'essai. Nous allons auprès de Martine Dabi, pour la carte de Congo, en brigade. État-major général. Monsieur le commandant de la première zone de défense, représentant personnel du chef d'état-major général des femmes décès, qui sera suivi de monsieur l'inspecteur général RDC. Monsieur l'inspecteur général des femmes décès. Monsieur l'inspecteur général des femmes blessées sera immédiatement suivi de monsieur le commissaire général adjoint de la police judiciaire, représentant personnel du commissaire général de PNC. Et bon, moi, j'ai un collègue, c'est le commissaire général de la police nationale congolaise. Merci, mon général. Et là, nous allons regagner notre rive en République du Congo avant de poursuivre encore chez nous. Donc, on se voit comment on est sur la République du Congo et à côté de Foba. Et pas à Bissomay. Nous allons courtoisement demander à l'amiral Nomo Kana de s'avancer également pour nous déposer sa gerbe de feu. Donc, on va bien avoir la liberté de l'histoire, amiral de Nomo Kana, à côté de Nomo Kana. L'amiral Ndongo. Amiral Ndongo. L'amiral Ndongo s'avance. Aza Kokusana. Pour déposer. Il s'avance avec son épouse. Il n'est pas seul. Azali Yemete, Azali Lokoda Mamoumadoye. On l'a vu dans certaines de nos grandes manifestations accompagnées de son épouse. Merci mon commissaire. Il est également combattant, membre des ministères chrétiens du combat spirituel. Monsieur le commissaire divisionnaire Oleko, inspecteur Jésus-Christ, il est membre. Il est membre du ministère chrétien du combat spirituel. Il sera immédiatement suivi. Du général-major Ondé Kané, ministre honoraire de la Défense. Et vous avez le général-major Ondé Kané. Le général-major Ondé Kané, ministre honoraire de la Défense. Il y a un bongo. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais. Il sera suivi du général Mushiba. Après la demande, on a général Mushiba. Représentant du commandant première zone de la défense. Il y a un bongo pour l'accès de l'Ordi. Il y a un commandant pour Kababongo. Et il y a un bongo pour Kababongo.
Mesdames et messieurs, Ndeka Tolobaki, to comme vraiment na suka ya cérémonie na biso. Obozo mona eza koro ya maman ndenge zo kende. Ko kende na dernière demeure na ngoya ngoyo. Binoko bo mona wana za korbia. Oyo ezo accompagner maman ti na dernière demeure na passa. Mesdames et messieurs, binoko bozo mona avec beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. Bande ko na biso ya église. Ma maman, bandeko basi, bandeko mibali, tout bazole là. J'espère que non, tension, émotion, ils ont vraiment ma kasi. Bilmoko bozola ndango, comment ça se passe? Trouve man à étape forte, oyo, ezole lisa bandeko. Et puis j'espère que tu continues toujours, bolanda toujours. On a encore bien zokota, zokota, ils ont encore nabiso, mesdames et messieurs. Bolanda binu moko to prometa binu kino makambuze ya solo bolanda
Voilà. Excel Media Congo TV. Ouais, Balobi, Excel Media Congo TV à Gaïta Vandal. Ouais, c'est bien pour Mbanias quoi. Vous avez un Excel Media Congo TV quoi. Donc, chaîne amenée à YouTube, il y a qui te copie les liens. Vous abonnez abondamment quoi.